J'espère que mon cadeau va te plaire. Wow. Mec, c'est trop bien, merci beaucoup pour ce cadeau et ça fait trop plaisir. Content que ça te plaise. En plus, je l'ai pas payé cher. Ah ouais, tu l'as acheté sur Amazon. Eneba. Je l'ai acheté sur Eneba. C'est un particulier qui l'a mis en vente. Bah mec, en parfait état. Par contre, j'ai pas envie de le sortir de la boîte, je vais le laisser comme ça pour ma déco, je pense. En plus, tu sais que j'adore Vas et tout. Enfin, putain, t'es franchement trop un frère, quoi. Franchement, parfait pour ma déco. Tu ne joues plus avec? Vends-les. Eneba. Achète et vends tes produits gaming d'occasion. Sans oublier qu'Eneba, c'est aussi le premier sur les jeux pas chers. Lien en description. Fais-toi plaisir. Bon, bah du coup, faut juste que je fasse demi-tour. Eh ben, on te regarde. Les amis, on est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Ça fait beaucoup de parties. Là, on a toute la journée devant nous. Il est 7h du matin. On va transporter du propane. Attention tout de même. Non, mais arrête, frérot. J'ai eu peur. Je suis partout et nulle part à la fois, je suis une chouette. Elle se met à genoux, en fait, je suis le prophète. Calme-toi, je suis très second degré. Tout part en couille, je pense même plus au sexe. Vodka Red Bull, je pense plus à mon ex. Je me fais des bouillures, ça fait indigeste. La chair de poule comprend parole Castex. Là, on est à côté de San Rafael, au niveau de Stockton, au niveau de San Francisco. On va passer par Oakland, par Oakdale. On va prendre cette fameuse route qui me rend curieux et qui est dans ce fameux dans cette fameuse zone pointillée en jaune et noir. Donc évidemment, ce n'est pas la zone 51. My goodness va vous expliquer tout à l'heure, une fois qu'on va y pénétrer, il va nous expliquer dans quoi nous pénétrons. C'est toujours bien de savoir dans quoi on pénètre finalement, comme Virginie Lamo... Non. Oh ben, t'inquiète, il n'y a aucun mal. Donc la route arriver. La route 120, le croisement à la 395, la route 6, et on va arriver à Tonopah. Voilà. Très bien. Voilà, tu passes devant, toi ? Bah écoute, vas-y, je vais passer devant et puis tu me doubleras peut-être, on verra. On verra. C'était lent ou pas ? Ouais, voilà, c'est ça. Le jour se lève et c'est beau et les voitures, vous vous arrêtez, s'il vous plaît. Vous laissez Godness passer. Oui, s'il vous plaît. Ce serait sympa, ouais. Merci. Ah, ils sont gentils quand même. Ils sont courtois, les Américains. Ça dépend. Ça dépend. America ! Oh, mais freine pas comme ça, toi, devant ! Pas non plus, la freine pas comme ça. Bah excuse-moi, mais c'était lui ou moi. Bon, je te pardonne. Merci. Et attention, on a du propane, hein, tout de même. Je sais absolument pas ce que c'est, hein. Bah c'est sûrement un truc qui explose, vu l'étiquette rouge qu'il y a derrière toi, là. C'est ça. Eh ben c'est génial, y en a pas un pour attraper l'autre. Bon, on a déjà passé le big up à L7C Fox, mais je voulais le refaire parce que ben probablement il doit nous regarder et voilà, je voulais juste le dire, gros big up. Salut L7C Fox et Miss aussi. Et Miss. On pense à vous. On pense à vous. On était à ça d'inviter Miss sans L7C Fox. Non, non, quand même pas. Oh là, il a failli avoir un accident devant moi là en direct. Incroyable. T'as failli rentrer dans quelque chose ? Non, pas moi. Non, non, l'IA. L'IA, ils ont failli se rentrer dedans eux-mêmes. Ah, bien sûr. Début... Non mais c'est vrai. Je sais pas, j'ai rien vu moi. Mais c'est normal, je prends toute la place. Ouais, ça c'est vrai. Je cherche pas des excuses qui n'existent pas. Donc là les amis, on reprend l'autoroute qu'on a pris dans l'autre sens. Mais après voilà, ce sera les petites routes, ne vous inquiétez pas. Non, c'est pas vrai, en plus je dis des conneries. Moi ça m'inquiète, hein. Comment ça? Bah je sais pas, j'ai l'impression qu'on va pas du tout dans la bonne direction. Mais si. Ah, tu me fais peur toi. Et on aurait dû aller à droite. Ah oui. C'est pas grave. Bah moi j'y suis. Eh bah c'est très bien, comme ça je t'ai bien, bien gratté comme il faut. Non mais je sais, ouais, je connais là, c'est pour que tu sois... pour que tu t'insères plus facilement après. Ça c'est gentil maintenant. Bon ça va, j'ai doublé par la droite, c'est pas très cool. Bon aux États-Unis on a le droit donc c'est un peu... Ouais mais c'est une demande d'arrêt d'urgence, je suis pas sûr que... Ah oui, oui, donc c'est pas vraiment une voie quand même. Non c'est... Mais c'est tellement large chez eux que tu peux faire carrément une troisième voie... sur la bande d'arrêt d'urgence. Ah ouais, non. Aux États-Unis tout est large, hein. Oui. Même les pantalons. Bon, voilà, ça c'est fait. Si tu veux d'ailleurs me dépasser, y a pas de soucis. Non, non, j'aime bien regarder tes fesses. Eh ben, y a pas de soucis, moi j'aime bien me sentir observé comme ça aussi. Moi je suis pas ce genre de personne qui disait, mais frérot, calme-toi. Oh putain. C'était... J'arrive pas à parler du coup. Et ben voilà, j'ai réussi à te faire passer devant. Être la catastrophe, ouais, putain.
Bon, du coup, j'ouvre la marche. Voilà. Tu sais que j'ai une amie qui a regardé du coup les trois vidéos qu'on avait fait. Ok. Trop bien. Et elle est pas du tout, elle joue pas du tout à ce jeu vidéo. Et, ouais. Elle pensait que ça allait l'ennuyer, mais elle m'a dit en fait, j'ai regardé donc ta vidéo, c'était la première, il me semble. Donc elle a regardé la tienne en premier, elle m'a dit bah en fait j'ai passé un super bon moment, et puis du coup elle a regardé les trois, tu vois. Trop stylé. Ouais, j'ai trouvé ça super, super que quelqu'un qui ne joue pas au jeu, du coup, et... arrive à passer un bon moment quand même. À et... nous regarder rouler pendant 3 heures. Et tu veux lui passer un coucou là, t'es en direct sur Énergie, c'est quoi son petit nom? Elle s'appelle Claire. Claire. Salut Claire. Salut Claire, gros big up, hein, big up, big up. Non mais ça fait trop plaisir, après moi je pense que ce qui a beaucoup joué, et je pense que Claire pourra te le confirmer par la suite, elle a pas voulu te le dire tout de suite, mais je pense que c'est mon charisme. Ah oui, peut-être, c'est vrai que t'as la caméra toi. Ça fait... Je veux que Claire, elle mette un commentaire sur la vidéo. Ça marche. Je ferai tout pour. Magnifique. Merci beaucoup. Et merci à l'avance à Claire, bien sûr, de jouer le jeu. Mais oui, c'est merci Claire. Claire. Oh, c'était facile, ça. Moi, je sais parler aux femmes. Hein. Super sympa. Mais c'est vrai, mais tu vois, voilà. C'est... Là, on... franchement, je te le dis, on est à deux, on s'amuse. C'est comme quand je faisais mes vidéos tout seul et que j'avais plein de choses à dire. Mais là, je suis désolé. Le paysage, il est éclaté au sol. Hein. C'est d'une pauvreté. En fait, je comprends mieux. Je comprends mieux les gens frustrés sur TikTok qui me disaient et qui me critiquaient en disant mais c'est quoi l'intérêt frérot ce que tu fais machin, parce que ben je quand tu n'as pas le contexte autour je comprends, parce que là je le ressens de la même façon, c'est juste méga nul, mais le fait qu'on soit ensemble, qu'on rigole ou qu'on ait un sujet de discussion, et ben là par contre c'est super agréable, et je comprends mieux maintenant les gens qui disent que c'est nul par exemple, mais voilà, bah après encore une fois Claire a beaucoup kiffé parce que ben le paysage était incroyable puisqu'on était sur Grand Utopia, on a beaucoup rigolé ensemble. Voilà. Ça peut pas se comparer. Ça peut pas se comparer. Et il a pas les chevilles gonflées, mais il a bien raison de le dire. Regardez, un tracteur. Et je suis monté sur eux, tracteur. La 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 la. Oh, des chevaux. Reste dans tes lignes, toi. De quoi? Reste dans tes lignes. Tu critiques pas ma façon de conduire, ok? Oui, j'ai encore de l'essence. Donc là, on découvre Oakdale. Super beau, Oakdale, hein, vraiment. Ouais, c'est. Ça a l'air très peuplé, en tout cas. Ouais, il n'y a qu'une station là-bas. Essence. Et une grange? Super. Ah, si, t'as un tracteur et un truc abandonné en ruine là sur la gauche. Un camion, ouais. Enfin, ouais, je sais pas ce que c'est. Mais il y a vraiment que dalle ici. Ouais, j'avoue, je sais pas où elle est la ville, mais. Bah, ouais. Elle est pas là. Ah, à tous les coups, ils sont en train de faire un rework. Oh bah ça y est, on vient de rentrer dans la zone. Quelle zone? Eh ben le... Alors là, on peut pas ouvrir la map en grand, mais on est dans la petite route sympa. Donc on est dans le parc jaune et noir, là. D'accord. On y est, donc... eh ben écoute, je te laisse... Non, moi, tant qu'il y a pas de panneau, je dis rien. Hein. Ah ouais j'imagine qu'il y a un panneau aussi à cette route, non? Ben peut-être, imagine il n'y a pas de panneau, on va arriver à la fin de la livraison, on va avoir l'air trop con. Et ben voilà, on a traversé. Faut que je me mette un point de repère. Non ben on va voir, t'as raison, il y aura peut-être un panneau. Parce que c'est vrai que bon là ça ressemble à, pas spécialement à un parc spécial. Bah mis à part qu'il y a peut-être un petit peu plus de relief que tout à l'heure. C'est vrai. Ah, il y a un panneau. Oui mais c'est pour le pont. James Roberts Memorial. Regarde comme c'est beau à gauche, c'était ça dont je parlais en fait, tu voyais que c'est un... Ah oui, oui. Ça c'est mignon. Sur le lac et tout là. Ouais. J'aime bien. Oh, j'aime bien, vraiment. Ah là, j'aime bien. Non, j'avoue, là c'est sympa. Peut mieux faire, mais c'est sympa. C'est sûr, c'est pas Grand Utopia. Là, c'est bon, il y a un panneau. Oh, Yosemite National Park, en transe. Eh ben, magnifique. Watch for oncoming traffic. Parfait, Yosemite parfait. National Park, voilà, c'est exactement la page Wikipédia que tu as sur ton écran droite, c'est ça? J'ai qu'un seul écran, moi. Ah, d'accord, excuse-nous, hein, monsieur 4K. Oh, c'est sympa. Là, j'avoue que t'as l'impression d'être en hauteur, c'est cool. Ah ouais? Attends, je me mets à 30, hein, c'est limité à 30. Vas-y, oui, on va ralentir tranquille. On admire un peu la vue, putain, j'arrive pas à parler. C'est pas grave, il faut pas s'énerver. C'est sympa, et en plus, je sais pas si c'est, chez toi c'est pareil, mais ça m'a l'air un peu orageux les nuages. Oui. Et ben voilà, ben ça a tout son charme. Il y a juste la texture de l'eau en bas qui est buggée un peu. Mais... Ah, j'ai pas fait attention. C'est pas grave.
Oh, c'est sympa. Donc là, nous sommes dans les montagnes de la Sierra Nevada, en Californie. Allez, c'est parti, on va écouter le... C'est le train-train, là, on fait le train-train, avec le guide touristique. Il est pas très cool, le mien. Faut mieux que ce soit toi qui le fasse. Vas-y, vas-y, je klaxonne et tu fais le guide. Yosemite National Park, renommé pour ses séquoias géants, centenaires, et pour Tunnel View. Donc c'est un point de vue emblématique sur la chute vertigineuse du voile de la mariée et les falaises granitiques d'El Capitan et du Half Home. Je sais pas du tout ce que c'est que ces trucs. J'imagine que donc d'y avoir une cascade et puis une falaise ou un truc dans le genre. Oh, faut pas qu'on la rate, hein. J'espère qu'elle y est. Hein. On la reconnaîtra, je pense. Ok. Alors qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ouais, ça on s'en fout, c'est nul. Bah c'est tout. Ok, très bien, très bien, très bien. Est-ce qu'on s'arrête à la station essence du coup ou pas? Ah, écoute, on peut essayer de voir. Parce que là, du coup, en fait, si tu veux, ça me parle de nombreuses boutiques, de restaurants, d'amusées. Alors peut-être que c'est cette station essence. Qui sait? Ces boutiques, je sais pas, ça sera peut-être aménagé ça d'une façon assez sympa, mais ça a pas l'air. Ça a pas l'air. Ça a l'air et des touristes. Ouais. Nogad et Yosemite Valley. Ah, mais d'accord, mais on n'est pas encore rentré. Ok, d'accord. Comment en ça fait, on n'est pas encore de Yosemite là. Ah ouais? En fait, c'est une station, et le panneau, il disait que c'était la dernière station... Enfin, qu'il n'y a pas de station essence dans la vallée. Oh. Ok. Je prends le 98. Non, c'est pas du 98 qu'il met, c'est du gasoil, je suis débile. Et je suis le pire, moi, je vais foutre en l'air le moteur. C'est pas grave. Ah, on peut quand même. Et en fait, donc là, on est en plein milieu de cette fameuse zone en pointillé. Donc, Ouais, mais du coup, ça doit commencer... Enfin, sur SS, je veux dire, sur la carte, ça doit commencer juste après, je pense. Oui, voilà. Oui, parce que... Alors, attention, oui, c'est vrai, parce que le mode qui permet de faire cette carte avec le fond de carte, là, c'est un mode, c'est à part, donc c'est pas SS Software. Donc, en effet... D'ailleurs, les véhicules de plus de 45 pieds sont interdits. Ce qui est notre cas? Je pense. Eh ben, écoute, on va aller se faire foutre, c'est pas grave, on s'en fiche, on est des rebelles. Ah bah tiens, t'as la photo de la photo que j'avais là sur mon téléphone. Uh-huh. C'est exactement cette photo là. De quoi, comment ça? Juste après la station service. Excuse-moi, moi je suis parti, hein, t'es ah, tellement loin. Okay. Je me suis fait rentrer dedans. Ce merveilleux parc a été créé en 1864. Ah, je crois pas que je l'ai dit. Je ne crois pas. Bon, j'arrive, hein, tu m'excuses, j'ai eu quelques petits soucis. Non, bah, t'inquiète, je me suis garé. Par contre, petit personnage commence à être fatigué. Ah bah, il faut enlever la coupure, hein. Ou alors bah, tu l'as fait. Non, non, mais regarde, je suis arrêté, donc au pire, c'est pas grave, je vais l'enlever, c'est pas... Oh putain, mais j'en ai marre! Deuxième fois en 30 secondes! Qu'est-ce que t'as fait? Bah, je me prends toutes les voitures, mais c'est de ma faute! Mais concentre-toi un petit peu. Yosemite National Park. Ok, sympa. Ah, c'est exactement la même photo, quoi. Ouais, et du coup, c'est pour ça que je te disais que je pense qu'on verra les falaises parce qu'elles ont l'air assez hautes quand même. Oh là là, ça va être trop bien. Allez, je suis chaud. Les véhicules de transport sont interdits dans cette zone, vous devez faire demi-tour. Non, c'est vrai? Ouais. T'as eu le message? Non. Ah, mais t'as peut-être désactivé ah, les... Ah oui, j'ai appuyé sur F3, j'ai eu le temps de le voir à peine, ah, ok. J'ai eu une amende aussi. Non. Transport illégal d'une remorque, 1500$. Oh mais arrête. Non attends, c'est-à-dire que tout le long on va avoir des amendes là à chaque fois? Non, je pensais quand tu passes la première fois. Moi je suis sûr que... Eh frère, dans 20 secondes on va avoir de nouveau une amende. Non. Je te le parie. Peut-être à la sortie. Mmh, ouais. Peut-être un rappel de chaque côté. Du coup attends, je regarde un petit peu. Oh c'est magnifique. Je me rappelle effectivement quelque chose, juste, je suis déjà passé par là effectivement une fois mais... Ok. C'est très joli. Ouais c'est sympa ouais. Ah et là c'est... Il y a des roches de partout et tout. La roche Valmont. C'est qui Valmont? Ah, il y a plein de cailloux à tout moment, on s'en prend un dans la gueule, quoi. Bah, si tu regardes trop le paysage, ça peut arriver, ouais. Ah, c'est marrant, ça me fait penser à Grand Utopia un petit peu quand même. Ah bon? C'est rigolo, hein. Tu mets des cailloux partout, c'est ça que tu veux dire? Bah ouais, ça me fait penser à une zone, par contre, pour de vrai. Avec pareil, un virage comme ça, et des gros cailloux, et on passe même sous un... Je sais plus où c'est. Un tunnel? Ouais, enfin, ouais, un tunnel de roche, ouais. Ah bah, c'était peut-être la route du paradis, non? Ah bah voilà, il me semble. Dans la neige. Il y a moyen. Attends, je ralentis un peu parce que j'ai envie de regarder. Ouais. Il y a un petit truc là pour regarder la vue. Vas-y. Oh là là, on est en Haute-Savoie.
Mec pas trop casse-couille à chaque fois. Toujours l'autre Savoie. Et la Savoie alors? Savoie ou bien? Tu sais que Virginie la mauvaise elle est en Haute-Savoie là. Non c'est vrai? Ouais. Oh merde. Non, en tout cas quand je l'ai quittée elle était là-bas. Dommage de l'avoir quittée alors qu'elle était dans une belle région. Non, je suis mieux chez moi, dans ma belle région. Ouais, toi t'es au centre de la France, c'est ça? Oui, c'est bien, t'as retenu. Et ouais. Ah, c'est sympa. Ouais, c'est mignon. Tu veux faire ta photo ou c'est bon? Non, c'est bon. C'est pas non plus aussi magnifique que sur la photo, ouais, déjà. On est peut-être pas arrivé au bout encore. Ouais, bah quand on va arriver au bout, y aura plus rien, quoi. Bah, on verra. On verra. Ouh, ça j'aime bien. Ouais, ouais, j'avoue, c'est sympa. La Clément. Oh, c'est beau. Oh, c'est beau, s'il vous plaît. Ouais, j'avoue, là. Oh là là. Je vais plus perdre que gagner quelque chose. Moi, j'ai pas eu d'amende. Parfait. T'as vu, c'est écrit Igno Forest. Voilà. Alors, attends. Dis-nous. Je vais chercher ma page Wikipédia. Oh, t'as vu les roches là à gauche? Oui. Oh là là! Il est gros le caillou! Il est gros le caillou! On est déjà bientôt arrivé, hein. Ouais, bah ouais. Voilà. C'était pas si. Et là, par contre, tu vois la différence? Dis-moi. C'est beaucoup moins joli. Ouais, franchement, et ça fait trop plaisir. Je fais une conclusion alors que c'est pas encore fini, mais voilà. Voilà, quand t'es à plusieurs, c'est quand même. C'est un peu comme si. En fait, c'est un peu comme. C'est un peu comme si tu prenais un truc dans les fesses. Et ben si tu mets du lubrifiant, bah c'est quand même plus sympa. Ça passe mieux quoi. Voilà. Alors je dis pas que My Goodness est un lubrifiant, loin de là. Mais il n'empêche que voilà, donc franchement à plusieurs c'est juste une régalade et voilà, on fera ça très vite parce que voilà. Après j'insiste sur le fait que tu n'as pas choisi le meilleur état. Ouais. Ouais ouais ouais. Puisque je suis en état d'ébriété. Non, l'état bien sûr des États-Unis. Ça m'étonnerait pas. Oh merde! Sympa de me prévenir. T'arrives un peu vite là, non? Un peu. Attention. Je croyais que tu roulais sérieux là. Si, je roule sérieux, mais voilà quoi. Il y a aussi une différence entre. Oh! Il y a une différence entre rouler sérieux et être concentré. Non mais c'est pas vrai, il en a pas marre de doubler tout le temps lui. Ils sont trop lents les gens. Ah pardon, on n'était pas encore dans le Nevada mais... Ah bah voilà, welcome to Nevada. Est-ce que le désir du Nevada est dans le Nevada? C'est une grande question ça aussi. Ouais. Et là j'ai le droit de doubler, hein. Il y a les petites traits jaunes. Là. Je suis pas... Oh là, t'essayes de faire quelque chose là? C'est très ambitieux hein. En plus c'est limité à 70 ça. C'était trop ambitieux. Oui, enfin, surtout qu'il y avait la descente derrière. Ah, il pleut. Ouais. Ah attends, bah. J'allume. Tu vois pour le coup, t'allumes tes essuie-glaces, c'est ça? Oui. Mais tu vois pour le coup, c'est marrant, tous les deux là, on est bien synchronisés, on voit exactement les mêmes choses. Alors que quand on était trois. Ouais, je suis d'accord. Donc en fait, le problème, c'est cette. <J'ai gueule. rire> Mais c'est fou. Miss, je sais pas. Ah, peut-être plus Miss finalement. Puis je comprends pas parce que des fois, je sais pas pourquoi son camion il pile les nets devant moi. Je comprends pas pourquoi. Je sais pas, c'est peut-être pas conduire. Eh salut. Non, rigole, salut. Rigole. Oui, les absents ont toujours tort, c'est comme ça. Ça donne une petite ambiance sympa là, avec le brouillard et tout. Ouais, ça va. J'aime bien. C'est vrai que c'est un truc que. Voilà. D'accord, oui, je suis totalement d'accord. Non, ce que je veux dire par là, c'est que j'y. Et alors, tu vas rigoler, mais c'est réel. Dernièrement, j'y ai pensé du fait que ça me lassait de jouer, mais je me suis dit, quand je vais retourner sur American Truck, il faudra qu'il y ait de la pluie. Parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui rajoute de l'ambiance sur le jeu. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Okay. C'est. Alors, moi, la pluie, ça me saoule, mais. Oui. J'avoue que de temps en temps, quand voilà. Ça fait un moment et que tu l'as pas eu. Voilà. Bah du coup tu l'apprécies davantage. C'est ça. En fait ça, voilà, ça va dépendre de la fréquence et de où. Donc on arrive à se frayer un passage à travers la circulation. Parce que bien sûr d'un coup il y a plein de monde. Comme par hasard. Voilà, il s'est imposé son chemin.
Ah, il a perdu patience, hein. Je me suis dit qu'il allait me laisser passer. J'y ai cru, ça a marché. Oh, j'ai reçu une notification. Progrès, je pense que j'aime ça. Eh ben, trop bien. C'est mythe, ça veut pas dire quelque chose. Ah, mais non, antisémite. Ah, putain. Bah, écoute, merci beaucoup d'avoir partagé ce moment avec moi, c'était trop cool. Ah, j'avoue. Merci à toi. Fait trop plaisir.